Salut les mecs, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, forcément, on va parler de PES 2020. Qui dit PES 2020, bien sûr, dit petit habillage. Alors, déjà, je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, je vais tout vous dire. Donc là, vous êtes au courant des partenaires, voilà. Et donc, il y a un dernier partenaire qu'on attendait. Là, ça y est, c'est sûr. On a un nouveau partenaire et donc, je vais vous le donner. Je vais vous le dire et je vais vous expliquer. Déjà, franchement, je suis super content, encore une fois, d'être partenaire avec lui parce que on choisit nos partenaires avec Sofiane. Hein. On a refusé des choses, je vous le dis clairement. Il y a des choses qui nous intéressent pas, nous. Il y a des choses qui, pour moi, bah, c'est pas très bien par rapport à vous, les paris sportifs, etc., les trucs comme ça, c'est pas notre délire, certaines applications mobiles, je vois pas trop l'intérêt, voilà, quand je le sens pas, je préfère pas le faire. Là, c'est nous qui l'avons démarché parce que c'est un mec, une personne qu'on adore et un site qu'on adore, et en plus, pour vous, c'est bénéfique. Là, quand je vais vous dire, les gars, vous allez vous dire, ah mais oui, on le connaît, c'est qui? Bah c'est Choco Bon Plan les amis, bien sûr. Choco Bon Plan, ancien youtubeur PES, voilà, vous le connaissez très certainement. Il faisait du contenu, etc. Il était excellent. Et maintenant, il s'est lancé dans un site qui s'appelle comment? Chocobonplan.com. Et ce site, en fait, c'est quoi? Bah, comme son nom l'indique, c'est des bons plans, jeux vidéo, films, séries, animés, etc. Alors, personnellement, c'est pas pour faire genre, j'y vais tous les jours. Le matin, c'est un des premiers trucs que je fais, je vais sur le site, je check un peu les nouveautés parce que, comme vous le savez, je suis un grand collectionneur. Il y a des trucs qui coûtent très cher, j'ai eu pas cher de collection, des amiibo, des jeux vidéo collector, etc. Donc, je suis super content de faire ce partenariat. Merci encore, Choco Bon Plan. Donc, les gars, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. En fait, ce qui se passera, c'est que on fera des vidéos sur d'autres jeux, mais ça, vous l'apprendrez plus tard. Et juste dans la description, vous pourrez réserver, précommander ce jeu en passant par leur site pour avoir, bien sûr, le meilleur prix. Donc, vous voyez, on a trois partenaires, hein, je vous rappelle, donc Choco Bon Plan. On a le Café du Geek. Bah, tu bois ton petit café, tu vas sur le Café du Geek, tu vois toutes les infos geek. Franchement, voilà, pour vous, ça peut être que bénéfique. Et enfin, on a gamingprivé.com, un site de vente privée gaming et geek, qui, bien sûr, vous permet d'acheter les trucs pas chers. Donc, trois trucs bien. On peut pas nous reprocher de faire des trucs un peu borderline, un peu chou. Voilà, ça, c'était le premier truc. Donc, le dernier partenaire pour 7-3 2019. Et maintenant, on va passer au sujet qui vous intéresse peut-être un peu plus, à savoir... Quand va sortir le trailer de PES 2020? Je vais pas vous mentir les gars, c'est pas un énorme scoop, mais on a beaucoup qui s'en doutent. Moi aussi je m'en doutais, mais j'étais pas sûr. Je me disais, ça va peut-être sortir 2-3 jours avant l'E3, peut-être que ça va sortir pendant l'E3. Il y en a qui disaient même carrément début juillet. Bon, ma source, elle vient du Brésil, elle vient pas de la France. C'est une source fiable, vous allez voir que ça va se réaliser les amis. En même temps, ça paraît logique, donc je vous le dis. Le trailer de PES 2020 va sortir pendant l'E3. Je ne sais pas quel jour. À mon avis, ça va être le premier jour. Je les vois mal sortir le trailer le dernier jour de l'E3. Donc l'E3, c'est, je vous rappelle, du mardi, mercredi, jeudi. Donc à mon avis, ça va être le mardi, le premier jour de l'E3. Ça, par contre, c'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que ce sera pendant l'E3. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir pendant ce trailer? Regardez un petit peu les anciens trailers. On va découvrir surtout la licence un petit peu phare du jeu. Puisque ça va être souvent... Ça nous montre une équipe en particulier. La dernière, c'était le Barça. Ça va nous montrer le grand joueur, la grande star qui va être partenaire privilégié principal. Et souvent, c'est lui sur la jaquette du PES. Qui, ça sera... Ça va être un truc de fou, je vous dis rien. Et en général, on apprend également la légende principale du PES. Donc l'année dernière, c'était Beckham qui était sur le PES Collector, le PES version légende, etc. Il avait même son édition David Beckham. Et donc là, à mon avis, c'est pareil. On découvrira très certainement une légende. Je ne sais pas qui c'est. J'aimerais beaucoup une nouvelle légende, un Drogba, par exemple. Je trouve que ça pourrait avoir... énormément de gueule, mais là, je vous le dis, je n'ai pas d'infos. Quand j'ai pas d'infos, je vous dis, j'ai pas d'infos. Je peux pas vous dire j'ai de l'info si j'ai pas d'infos. Donc voilà, les amis, nous, l'avantage, bah, c'est qu'on sera à l'E3. Donc, je pense, ça c'est des spéculations, je pense qu'on pourra, je sais pas quel...
Je sais pas quelle terminaison utiliser, les amis, on n'est pas en cours de français. Je pense qu'on pourra peut-être avoir accès un petit peu en avance pour voir un peu ce que ça donne et vous faire du coup une vidéo, réaction au trailer, un petit peu décrypter ce trailer. Alors après, c'est pas non plus, il n'y a pas des indices, des trucs cachés, on va pas se mentir. Mais voilà, j'aimerais beaucoup, avec Sofiane bien sûr, mais forcément, on est l'ancien, on sera trois. J'aimerais beaucoup qu'on puisse faire des lives depuis le stand de Konami, donc on pourra rien filmer. Mais du coup, nous filmer nous, vous parler en direct du stand, ça peut être un truc de fou. Pendant que le trailer est diffusé, ce serait un truc de malade. Ça, on sait pas si c'est possible. Je sais pas si on le saura avant le 3. En tout cas, au dernier carré, on le saura lundi prochain, puisque lundi prochain, on sera déjà à Los Angeles. Et lundi, on sera déjà avec Konami, puisque on y sera avant le début de le 3. On sera déjà avec eux. Donc, on en saura plus, les amis. Le programme de cette semaine par rapport à cette 3, il y aura une vidéo mercredi où là, je vous expliquerai, je vous donnerai les 3 autres jeux à part PES 2020 sur lesquels je vais travailler pendant cette 3. Je vais vous faire une vidéo sur d'autres jeux, voilà, j'ai décidé. Je trouve que c'est un petit peu dommage de pas d'aller à l'E3, c'est pour parler que de PES, donc ce sera 3 jeux que j'aime, qui me tiennent à cœur, voilà, je n'en dis rien, je vous laisse la petite surprise. Et enfin, vendredi, on fera un live avec Sofiane, et j'espère l'ancien, je sais pas s'il pourra être là, l'ancien, beaucoup occupé, etc. Et du coup, on répondra un petit peu à toutes vos questions, ce sera un petit peu un live FAQ à quelques heures d'embarquer dans l'avion direction Los Angeles, les amis. Dernier petit truc. Certains ont dit en commentaire comme quoi c'était pas normal, en gros, qu'on n'était pas légitime pour aller à Los Angeles par rapport, par exemple, à Monsieur Quinton ou par rapport à Exo Madara, etc. Les amis que j'embrasse d'ailleurs, je salue. Ils vous ont répondu sur Twitter. Peut-être que certains n'ont pas Twitter. Donc les gars, en fait, il n'y a pas de mérite ou de pas mérite. Puisque en fait, nous on a juste été voir Konami en leur demandant si on pouvait avoir l'accréditation pour aller à l'E3. Ils nous ont dit oui, on peut vous avoir une accréditation, mais on n'a pas le budget pour vous envoyer. Voilà, moi je vous le dis clairement. Et du coup, on a payé nous-mêmes les billets et le logement. Là-bas, on va payer notre bouffe, on va être obligé de prendre une location de voiture, etc. Donc c'est un gros billet. Donc il n'y a pas de mérite ou de pas mérite, c'est simplement que on a décidé de mettre un petit peu de notre poche pour aller là-bas, parce que moi c'était un rêve d'aller à l'E3, Sofiane aussi, l'ancien également, du coup il en profite, hein, en même temps à 3, ça coûte 3 fois moins cher le logement, ça coûte 3 fois moins cher la location de voiture, etc. Et on avait besoin d'une troisième personne, puisque pour nous filmer, nous aider un petit peu au montage, etc. Donc voilà, vous savez tout les amis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, on se retrouvera vendredi pour répondre à toutes vos questions. Je vous fais des bisous les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao les mecs! Retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur gamingprivé.com.